今多拠点生活してるけど、フランスってそれの一つになりそうって思いました？思いました。やっと慣れた頃に帰る感じです。脳をはっきり脳という形したのがすごい気が楽。行っていいんだなって。多拠点になったら車運転するんですか？もちろん。今回国際免許取ってきたし、撮影の中では運転したい。結局フランス来てオフっぽいことでやれたのって、この前私たち行った時いなかった時に旅行、そうだね。あれどこ行ったんでしたっけ？イタリアにミラノに行ってきました。お散歩した。新鮮な空気を取り入れたかったけど、何かして疲れるとかよりリラックスした。ちょっと撮影も私ミラノが来る前に、ちょっと切り替えたいなと思ってたらパリから抜け出して抜け出してたっていうね。車掌さん結構喋る。着くからね。アナウンスしてるから。喋んないとね。小話してるわけじゃない。小話してるわけじゃない。Ici, les fameuses crayères de Reims. Après. Ici, c'est vraiment le cœur de la maison. On est à peu près à 20 mètres en dessous du niveau. C'est un peu la, on va dire, la mémoire vivante de la maison, de la récolte 1996. じゃないと保存できないもんね。Donc ici, je vous laisserai mettre le long de la ligne jaune. Pinot noir. Pour célébrer les 250 ans de la maison, nous avons créé cette édition limitée. On va avoir des notes qui continuent d'évoluer, comme sur le tableau juste derrière, exclusivement disponible ici. Je crois que ça a été fait. C'est un autre. C'est un autre. C'est un autre. Santé. 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 Santé.
ouais. Ça se met beaucoup sur les fruits blancs. Des fruits blancs, mais déjà très mûrs. Ouais, vraiment, du coup, ça. Comme de la poire, ça peut être de la pomme, du coup, c'est un peu de la pêche. Pour d'autres personnes, ça va être plutôt des fruits jaunes. Ça peut être des abricots, comme ça peut être de la mangue. Ça peut être aussi comme l'ananas. Non, non, c'est ça. Déjà, on a vu un champagne ici dans la tradition de l'assemblage. Il vient de remonter des caves et c'est l'année 2015. 2017, je crois. Les étiquettes étaient toutes blanches. Surtout parce que je vais pouvoir vous montrer nos premières étiquettes. Wow. Et bien sûr le logo avec la ville. Sec dans le coin, on avait toujours des étiquettes blanches, mais dans une cave avec l'humidité, la poussière, on ne peut plus les lire. Pour éviter que ça disparaisse avec le temps. Ah, hello. Ah, 読みやすいってこと。まあでも確かにどうしてもさ、こう経年変化で色がついていっちゃうもんね、白くっても。Exactement. Mais on avait souvent des palmiers, des éléphants. Alors que Madame Picot n'a inscrit que le nom. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le 2015 est uniquement le 67e millésime. Sur nos vignobles, c'est surtout un printemps qui est, on va dire, plutôt frais, sans gros changement de climat. Surtout éviter les gelées et les orages. Donc, C'est très différent. L'année dernière était exceptionnelle. Par contre, l'année d'avant était 2022, probablement. C'était un immense plaisir de vous accueillir ce matin. J'espère que ça vous a plu de découvrir la Méditerranée. Merci beaucoup. Merci, c'était un vrai plaisir. Merci, je vous en prie. Et puis profitez bien.